You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Hello, hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, je savais pas trop, en fait j'ai tellement de choses à vous dire que des fois je m'y perds. Et je sais plus quoi dire, quand dire, comment faire, quoi faire. Donc là, pour le bien-être, mon bien-être mental, on va se retrouver en vidéo, voilà, très simplement aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo. Peut-être week-end vlog. Ça se dit. On s'en fout. On va le dire quand même. Parce que je voulais partager avec vous vraiment un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment. Alors, j'ai énormément envie de coudre. J'ai un projet couture en préparation et on va le coudre ensemble, j'espère, progressivement entre aujourd'hui et le week-end. Aujourd'hui c'est jeudi et voilà, et du coup je voulais pas appeler mon vlog weekly vlog parce qu'un vlog de semaine qui commence un jeudi c'est plus trop un vlog de semaine, n'est-ce pas? donc voilà, et je voulais vous présenter, que vous m'accompagniez pour la couture de cette robe. Donc c'est une robe Super Bison, je vais vous mettre une photo par-ci par-là. C'est la robe Calypso de Super Bison, elle est disponible sur le shop Blondie évidemment si je vous en parle. Et surtout je veux coudre mes robes pour mes vacances d'été. J'en ai cousu déjà pas mal l'année dernière, que je vous avais partagé ici. Et d'ailleurs, je crois qu'elles sont là-bas, derrière moi, sur le portant. J'ai un doute qu'elles y soient toutes, mais en tout cas, j'en ai une bonne partie ici. Et voilà, il me manquait quelques petits modèles, parce que moi, j'aime bien changer tous les jours de robe. Donc là, je voulais partir sur le modèle Calypso de Super Bison. Super Bison, c'est une marque française. Si vous ne connaissez pas Super Bison, moi j'ai commencé la couture avec eux. Je crois même que dans mes tout premiers bilans couture, c'était que du Super Bison et du Urban Fairy de Elsa, parce que j'avais appris aussi avec quelques-unes de ses formations qui sont juste topissimes. Et j'avais enchaîné avec les patrons de Super Bison. Donc, tout naturellement, aujourd'hui, je suis trop, trop contente de pouvoir proposer cette marque-là sur le shop. Je parle toujours beaucoup. Mais bon, voilà, le vlog, c'est aussi ça. C'est fait aussi pour papoter. On aime bien. Vous savez, c'est comme d'habitude, vous me posez dans un coin de votre table de couture. Et puis on papote ensemble. Et donc, la robe Calypso, c'est une petite robe qui est super mignonne. Parce que, elle est toute boutonnée. Ça, c'est la grande tendance en ce moment des robes complètement boutonnées. Deux, elle est à bretelles. Et pour les vacances, notamment nous, on part en vacances dans le sud. Je ne me vois pas avec des manches. Je veux vraiment des bretelles. Donc, encore une fois, très mignonne. On peut mettre des petits nœuds ou des petites finitions. Je ne sais pas encore trop quelle finition je vais apporter. Certainement des petits nœuds, mais pas trop. Je suis pas très neuneux. Ça se dit, ça. Je suis pas très neuneux. Mais on va voir. En fait, je vais voir au fur et à mesure, suivant mes envies, ce que je vais faire comme finition. Et puis aussi, et ça c'était quelque chose que je n'avais absolument pas dans mon dressing, je vais coudre ma robe Calypso dans un tissu coton Vichy jaune. Donc, vous savez, le coton Vichy, c'est ce coton à carreaux. Il y a différents carreaux, moi je crois que c'est du carreau assez moyen. Et donc en carreau Vichy jaune. Jaune, parce que je trouve que le jaune l'été, sur une peau légèrement bronzée ou très bronzée d'ailleurs, sur une peau bronzée, c'est juste magnifique, avec une petite veste en jean pour le soir par exemple, c'est trop trop mignon. Et je trouvais vraiment que le modèle de la robe Calypso se prêtait parfaitement à ce genre de tissu, que le combo est juste canonissime. Donc j'ai pour projet de coudre ce projet là le patron est quasiment prêt et après il reste plus qu'à coudre. À côté de ça, vous avez peut-être reconnu, nous sommes ici au showroom.
de Blondie Mercerie. Je suis en train de faire, vous voyez, mes photos. Là, j'avais mon tissu fuchsia juste derrière moi. Je suis en train de faire toutes les photos, de vous faire les petites stories sur le compte Insta de la boutique. Et franchement, j'espère vraiment, vraiment, vraiment me bloquer du temps pour coudre parce que je suis carrément en manque, mais carrément en manque, et j'ai juste énormément de travail. Je ne vais pas me plaindre, je suis hyper contente, et merci d'être là, merci d'être toujours au rendez-vous, toujours fidèle, toujours en demande de plus de nouveautés, de nouveautés de quelles qu'elles soient, hein, d'ailleurs, hein, pour la boutique. Mais je vous avoue que je n'ai pas commencé le vlog plus tôt parce que j'ai passé, combien de jours j'ai passé enfermée, j'ai dû passer 3 jours sur 2 jours certaines, 3 jours quasi certaines, mais je crois que c'est même plus que ça. Enfermée au bureau, en train de mettre en ligne toutes les nouveautés. Je crois qu'il y a plus de, au total, j'ai plus de 100 références qui arrivent en ligne là entre aujourd'hui et demain et samedi. Donc autant vous dire que c'était un travail titanesque et que j'en ai absolument ras-le-bol du PC. J'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de coudre et de coudre mes fringues. Et de vous partager ça surtout parce que je sais que vous adorez ça et moi-même c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc voilà, on va faire en sorte de se caler du temps, j'ai m'obliger à me caler une heure par-ci, une heure par-là. Mais je me suis dit bah, c'était quand même un bon moyen pour vous m'accompagner dans ce week-end. Je vais peut-être vous partager même des trucs qui n'ont rien à voir. Mais voilà, vous savez ce genre de vidéo qu'on pose, qu'on regarde, on se prend pas la tête, ça fait du bien, on pense à autre chose, on pense pas à ces soucis, à ces trucs de la journée qui nous ont saoulés, et pas que, voilà, pas que du négatif d'ailleurs, hein, ou du positif d'ailleurs aussi, mais ce genre de vidéo, moi perso j'adore regarder, je me pose, et des fois juste avant de dormir, et je m'endors, et je suis bien, je suis paisible, ben voilà, j'espère que vous serez bien, paisible et sereine après avoir regardé ma vidéo. Alors, je viens d'être livrée de 2 colis que j'attendais hyper impatiemment. Le premier, c'est celui Liz Taylor. Sachant que on est quoi aujourd'hui? Le 4 mai? Je ne sais pas, jeudi quelque chose. On est début mai. Ce samedi sort la nouvelle capsule été Liz Taylor. Je fais partie de la team revendeur Liz Taylor. J'adore cette marque-là. Et il y a une nouveauté chez Liz Taylor, c'est une catégorie papeterie. Et évidemment, je l'ai pris pour la boutique, j'ai craqué. Et donc là, c'est ma petite commande de ce que vous allez pouvoir, ce que vous pouvez déjà d'ailleurs trouver sur la boutique, sur le shop. Comme ces petits carnets, c'est trop mignon, les to-do list. Qui ne fait pas des listes? S'il vous plaît, qui ne fait pas des listes? Moi, j'en fais plein. Donc, il y a la to-do list ou il y a la to-do list. Ce que vous voulez coudre, vos projets à coudre. C'est trop mignon. La qualité du papier est vraiment bien. C'est des grandes feuilles. C'est vraiment très, très sympa. J'adore. C'est bientôt la fête des mères en plus. Après, il y a aussi des stickers. Comme ceci. Donc, des stickers couture. Il y a évidemment... Évidemment, qui dit stickers dit carnet de couture. Carnet de couture. Et là, en fait, c'est un carnet rigide. Oh, c'est beau. Super beau. C'est un carnet rigide avec un revêtement en tissu. C'est un tissu motif exclusif couture de Liz Taylor. C'est marqué carnet de couture Liz Taylor en marquage doré à chaud. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est très, très beau. C'est un très joli carnet. Vous avez le marque-page en ruban qui est intégré au carnet. Donc voilà, très sympa. Les stickers sont dans les mêmes motifs que le carnet de couture. Par contre, je pensais avoir plus de stickers que ça. Peut-être que je me suis trompée dans ma commande. Et là, après... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est mes papiers. Ah non, c'est bon. Donc là, j'ai tout plein de stickers. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Ensuite, vous avez cette nouveauté-là aussi. Pareil, c'est un petit... c'est un petit mètre ruban. Voilà, comme ça, avec le revêtement tissu. C'est le même tissu que sur le carnet de couture. Vous avez ça et vous avez ensuite des petits ciseaux. C'est super bien emballé. Hein. Des petits ciseaux de broderie en forme de cœur, comme ça.
Et ils sont trop mignons. Donc en forme de cœur, et j'ai pris plusieurs couleurs. Je crois que j'ai pris un fluo aussi. Ouh, il est trop beau, j'adore. Lui, il est pour moi. J'ai pris ça, il y en a encore, ne vous inquiétez pas, il y en a encore. Donc fluo comme ça. Donc voilà, j'ai pris tout plein de ciseaux. Et après, j'ai pris plein de boutons. C'est les boutons, les petits boutons glitter en 12 mm. Je vais vous remettre une photo parce que je ne vais pas tout ouvrir. Il faut que j'aille acheter des petits bocaux spécifiques. Mais j'ai pris justement plein de boutons comme ça. J'ai pris toutes les couleurs qui existent dans les boutons glitter. Deux trous. Ah, peut-être que vous allez bien voir comme ça. En fait, c'est des petits boutons glitter, deux trous comme ça. Il y a un côté, le côté que l'on voit, qui est plein de petites paillettes dorées. Trop mignon. Et j'ai pris toutes les couleurs. J'ai pris toutes les couleurs de boutons. Donc voilà, ça c'est pour lister. Du coup, je vous ai complètement lâché. J'ai ouvert le carton. Je suis partie dans un désordre sans nom. J'ai rangé, je vais vous montrer. J'ai rangé ici une partie des patrons Super Bison. J'ai mis en ligne les nouveautés. Et je me suis rendu compte, les amis, que je n'avais pas fait toutes mes fiches produits. Encore du PC, j'en ai marre. J'ai tous ces patrons-là. Ben, en fait, j'ai toutes les fiches produits à faire et à mettre en ligne sur le site. Bon, c'est pas très très grave, hein. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je pense que je ferai ça ce soir, puisque, vous savez. Tiens, on va se faire un petit update. Je vous emmène avec moi dans les coulisses, mais les vraies coulisses, les coulisses de la vraie vie. C'est-à-dire que ici au showroom, c'est assez grand. En définitive, la pièce où je travaille fait à peu près 30 mètres carrés. Mais il y a aussi... Mais l'espace global fait 50 mètres carrés. Donc, c'est assez grand. C'est assez grand. Il y a tout cet espace kitchenette que je vais vous montrer qui n'est absolument pas une kitchenette pour moi. Donc, voilà comment ça se passe dans ma petite kitchenette. Mon petit espace cuisine. En fait, je m'en sers pour mettre tous les cartons puisque j'ai vraiment le coup de chance de trouver ce local tout proche de la maison. Et quand je déjeune à la maison, je rentre à la maison, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est vraiment en bazar avec l'évier qui est juste à côté et l'aspirateur, les sols. Et c'est tout. Et du coup, je vous disais, oui, en fait, aujourd'hui, je vais pouvoir continuer à bosser sur le PC plutôt en fin de journée parce que je dois récupérer Raphaël plus tôt chez la nourrice, vraiment plus tôt, 4h moins le quart. Donc, autant vous dire que bah, quand c'est comme ça, j'essaye de m'activer au plus au magasin. Bon, ça va, c'est que 2 jours la semaine en ce moment, donc ça va. Et du coup, je profite quand je dois... En fait, quand je dois être à la maison et que je ne peux pas faire autrement, bah, je profite de bosser sur le PC. Parce que sinon, voilà, j'essaye d'optimiser mon temps de présence au showroom. Et j'avoue que quand on a des enfants, mais ça, c'est que l'on soit... que l'on aille sans business ou que l'on soit salarié, je trouve que c'est la même chose. Quand on a des enfants, des fois, c'est un peu... Bah, c'est un peu compliqué de gérer tous les emplois du temps de tout le monde en même temps. On y arrive, mais par moments, c'est pas toujours évident. Voilà, donc, c'est parti. Je sais pas ce que je vais faire. Je continue mes photos, je pense. Je vais vous montrer. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Planes, they never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Je me dépêche. Je me dépêche. J'ai essayé de vous embarquer avec moi chez... où est-ce que j'étais? La Foire Fouille, je crois. Parce que j'avais besoin de trouver des petites choses pour le showroom. J'ai trouvé ce joli vase pour mettre un bouquet de fleurs séchées qui sera juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ouais, comme ça.
à côté des machines à coudre, je trouve que ça va permettre d'habiller un petit peu plus le coin par là-bas notamment. Donc voilà, et ensuite j'avais besoin de trouver des petites choses pour ranger tous les petits boutons Listellor que j'ai reçus. Je voulais prendre des petits bocaux et en fait je suis tombée sur ça, sur ce truc là qui est juste magnifique, qui est là. C'est un porte-épices rotatif, n'est-ce pas? Il y a 16 pots et vous savez quoi? J'ai 16 couleurs de petits boutons. C'est juste parfait. Je trouve que dans la déco et le thème, le style du showroom, ça se fond super bien. Et je m'apprête à tout ranger. Vous voyez, j'ai tout mis là sur la table. À tout ranger et étiqueter. Et pourquoi je vous dis que je me dépêche? Parce que l'après-midi, je suis comme une dingue, j'adore ça. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Mais j'écoute Europe 1, la radio. Et notamment la chronique de Christophe Ondelat qui raconte des histoires criminelles. Je me demandais pas pourquoi j'aime ça, j'en sais rien. Mais je sais que ça passionne beaucoup, beaucoup d'entre vous et d'entre nous, dans tous les cas. Et je me dépêche parce que là, c'est la pub. Donc comme ça, j'ai pas loupé le fil de l'histoire. Mais j'avoue que en début d'après-midi, ça commence à 14h. Il y a le podcast aussi qui existe. Et c'est après déjeuner. Vous savez, après déj, généralement, des fois, c'est un peu dur. Donc, je sais que pendant une heure, parce que j'aime bien l'histoire de 14 à 15, vous voyez, je suis une vraie mamie, j'ai des vraies petites habitudes de grand-mère, m'en fous, j'assume. Mais j'aime bien écouter ça entre 14 et entre 2 et 3. Et voilà, c'est trop bien. Et des fois, j'avoue, je flippe. Parce que ici au showroom, c'est très calme, c'est assez calme. Enfin, il y a une école juste à côté de moi, mais entre 2 et 3, c'est pas trop l'heure de la récré. Généralement, c'est après. Et par moments, c'est très très calme et c'est super bien fait. Ondelat, tu racontes super bien ces histoires-là. Il y a de la musique. Et j'avoue, des fois, je suis là. Non, c'est moi, je suis toute seule. Donc voilà, les amis, je continue. Pouring cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the rain. Coucou tout le monde, jour 2. Alors, que je vous dise, oui, je suis un petit peu au naturel aujourd'hui, mais il y a des jours comme ça où j'aime bien. Ou plutôt où j'ai pas envie de trop de me maquiller. Bref, alors, vraiment, vraiment, j'avais fait en sorte de préparer mon tissu, de préparer mon patron, tout est prêt. Je vous montre tout de suite, tout est prêt. Donc voilà, j'avais bien préparé mon tissu, mon patron est là, prêt à coudre. Donc la robe Calypso dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette robe-là. Tiens, d'ailleurs, j'en profite d'avoir le patron sous la main pour vous montrer les différentes parties. Donc moi, je fais la robe. Et on a soit une version avec des petits nœuds aux épaules ou un petit nœud devant. Et je ne sais pas trop encore si déjà je mets petit nœud ou pas. Et si j'en mets ou j'en mets, je ne sais pas. Donc, c'est pas sûr que j'en mette, hein, honnêtement. Donc, mon tissu est prêt. C'est mon sublime coton Vichy jaune. Voilà, je vous dis du jaune. Moi, j'avais trop, trop envie de porter du jaune comme ça cet été. Ça va être parfait avec une peau un peu plus bronzée que ce que vous voyez là. Et pour les boutons, eh ben, j'ai bien envie d'utiliser ces boutons-là. C'est les petits boutons de chez Liz Taylor. Et je les trouve trop mignons. Je trouve qu'ils vont super bien avec. Donc des petits boutons jaunes comme ça, c'est les boutons de trous en 12 mm avec l'effet glitter comme vous pouvez le voir juste ici. Et voilà, donc tout était prêt, tout était prêt. Sauf que soudain, ça a été l'anarchie. L'anarchie, c'est-à-dire que j'ai été livrée ce matin de mes sublimes foulards. Vous les avez peut-être déjà vus sur le shop. Mais les foulards Little O de la marque belge Little O sont des créations 100% exclusives. Les motifs sont dessinés par la marque. C'est local, c'est écologique, c'est tout ce qu'on aime. C'est des grands, grands, grands carrés. Ils sont magnifiques. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Donc, j'ai été livrée. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait sur le PC, le site, etc. Ensuite, comme j'ai été livrée de mes foulards, je suis allée faire des achats déco. Oui.
Parce que, en fait, ben, la marque m'a envoyé ce genre de photos que je vais pouvoir mettre ici au showroom. Et ben, il me fallait des jolis cadres, évidemment, pour pouvoir ben, les exposer. Et puis, qui dit foulard dit quand même quelque chose pour pouvoir exposer ces ben, ces pépites. Sauf que ben, j'avais rien encore pour le moment. Donc, je suis allée faire des empêches, je suis allée faire des petites courses. Donc, cadres photo, boîte mouchoir. Et j'aime trop cette marque-là. C'est la même marque. Il n'y a pas de la marque. C'est 5. C'est 5. Et du coup, il me fallait de quoi ranger les foulards. Donc voilà mon butin. Mon butin du jour. Franchement, je ne vous ai pas embarqué avec moi parce que je ne pensais pas faire autant d'achats bah, aujourd'hui. Donc, je ne pensais pas faire autant d'achats aujourd'hui. Mais finalement, je suis super contente. Donc, je suis allée chez Centracor parce que j'ai trouvé plein de choses qui vont m'être fort utiles pour le showroom et pour pouvoir bien tout exposer puisque bah, je vais bientôt ouvrir le showroom au public. Donc, j'ai trouvé ça dans le rayon salle de bain. Donc, c'est cette marque-là. J'aime. Franchement, elle est super cette marque-là. Five. J'ai trouvé ça dans le rayon salle de bain, étagère porte-serviette. Et je vais m'en servir pour mettre les foulards, en fait, ici, en exposition. Et sur les petites étagères que vous voyez là, bah, je vais mettre les photos, les cadres photos. Pas, peut-être pas tout. En bas, je vais peut-être mettre la petite malle en rotin que j'ai. Je trouve que ça va être super. Ça va vraiment être propre. Et tout à fait dans le style de la déco du showroom. Ensuite, j'ai trouvé cette petite desserte de la même marque, toujours. Fort utile bah, pour mettre à côté de moi tout mon bric-à-brac, mes ciseaux électriques, les stylos, les stickers, les petits coupons quand je prépare vos colis. Ça va m'éviter de faire trois fois des allers-retours. Et j'ai trouvé aussi cette mignonnerie. Mais franchement, trop mignon. Vous savez ce que c'est, ça? Non, vous savez. Enfin, peut-être que vous savez, mais je pense que vous ne savez pas. Je vais vous montrer. En fait, c'est ça. C'est une bibliothèque de bébés. Enfin, de petits. En rotin. Et moi, je vais m'en utiliser. Je vais m'en servir pour ranger mes patrons pochettes. Dans la boutique. Je pense que c'est la taille idéale. Je vais tout de suite essayer. Donc, on va essayer ça. Sachant que là, dans les petites bannettes, j'ai tous les patrons. McCall's, mais vous voyez, j'ai commencé à exposer ici, enfin exposer, non, à poser des patrons supervisants parce que l'étagère là est complètement pleine, remplie. On va essayer tout de suite, je vais en prendre quelques-uns. Évidemment, l'étagère ne restera pas ici et je trouvais l'idée. Ben, je pense que ça fait largement le job. On va voir si ça passe en dessous. Yes, ça passe crème. Ça passe crème, c'est nickel. Et ça, et peut-être que je pourrais en mettre quelques-uns comme ça. Histoire qu'on voit quelques modèles, quoi. Non, c'est très bien. C'est très bien et enfin, ça va être proprement rangé. Donc voilà, encore une bonne idée. Une bonne idée rangement. Mais je pense même pour vos ateliers de couture, ça peut être une super bonne idée pour ranger vos patrons pochettes si vous en avez, si vous en avez pas mal. En revanche, c'était un peu cher. Enfin, il faut que je vous redonne les prix exacts. Je ne sais pas s'il y a l'étiquette là-dessus. Je pense pas. Mais je crois que c'est une quarantaine d'euros quand même. Hein. Donc, c'est la marque Atmosfera. Voilà, qu'on trouve chez Jiffy et Centracor. Et je crois que c'est une quarantaine d'euros. Bon, à voir. Et donc aussi, alors rien du tout, mais comme vous savez que les cartes de fidélité, on est d'accord, les cartes de fidélité, on en a 15 000. Mais là, j'avais... avec tous ces achats-là, plus ce que j'achète habituellement, j'ai eu deux petits coupons de 5 euros. Donc 10 euros de remis, j'en ai profité pour prendre du sambon pour le showroom. Non pas que ça pue, au contraire, ça sent bon. Mais je voulais ça. Je voulais ce gros diffuseur avec les bâtons de la marque Lampe Maison Berger. Donc normalement, ce sont les lampes Berger, mais je veux pas ici, je veux pas de quelque chose qui s'allume pour la sécurité, tout simplement. Donc j'ai pris le parfum de maison avec les bâtons, le diffuseur, voilà. Et donc c'est la Maison Berger avec en partenariat avec Lolita Lampica. J'aime trop cette odeur, j'aime trop ce parfum. Et j'ai pris ça et je vais vous montrer. J'ai pris moi le blanc. Ouais, j'ai pris le blanc. Je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Vous avez le flacon, vous avez les bâtonnets, vous avez ensuite le parfum
que vous pouvez mettre dedans. C'est le parfum classique Lolita Olympica. Et donc, vous remplissez. Et après, il suffit juste de mettre les bâtons comme ceci. Et voilà. Et c'est tout. Et j'ai pris le blanc, parce que je trouve que dans la déco au showroom, ça va être voilà, ça va être parfait. Ça va bien être homogène avec ce qu'il y a déjà. Et je pense mettre le diffuseur ici, sur ces étagères-là. Ça sera très bien. Donc voilà, alors le gros chantier, le gros bazar. Mais c'était pas du tout prévu, mais c'est bien. Quand c'est pas prévu, c'est bien aussi. Je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. Maintenant, il ne reste plus qu'à aménager. Et puis, j'ai trouvé aussi ce petit bouquet-là. De, je sais pas ce que c'est, des petites, c'est comme des mini fleurs, des mini feuilles de pampa un peu, vous savez, un peu comme j'ai là en grand, mais ça tout le monde en a maintenant de ces trucs là. Ceux-ci, là ceux-là sont écrus et ceux-ci sont plutôt blancs et je trouvais que hier, vous savez chez Jiffy j'avais trouvé ce pot là et je me suis dit que ça irait bien, c'est vraiment le bazar au showroom, hein. Je me suis dit que ça irait bien. Peut-être couper un peu les tiges, et encore, c'est pas au fond. Oui, c'est au fond. Peut-être couper un petit peu les tiges, mais voilà. Pour donner un peu plus de dimension, on va dire. C'est pas mal. Voilà, et quoi d'autre? Ouais, je voulais regarder les miroirs, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Et donc, ce beau fauteuil, il va soit aller dans l'entrée, ou soit finir à la maison. Je pense que ça va être plutôt la deuxième option. Et alors là, le showroom, non mais c'est n'importe quoi. Franchement, vous voyez un peu comment ça se présente. C'est un peu le foutoir. C'est carrément le bordel. Donc voilà les amis, écoutez, mon bordel et moi, on vous embrasse. Mais je pense qu'on va arrêter là la vidéo pour aujourd'hui. Et donc, c'était pas du tout une vidéo couture. Je l'avoue, je le conçois. Mais ça me permet de vous faire des petits coucous, ça me permet de pouvoir repapoter aussi avec vous par ici sur YouTube et vous montrer que je suis toujours bien vivante, que je suis toujours bien là, mais je suis toujours très 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 bien occupée. Dans tous les cas, c'est sûr, on se retrouve très très bientôt pour une vidéo couture ce coup-ci, ça c'est certain, avec cette sublime robe Calypso qui n'attend plus que ma machine à coudre. Clairement, le patron est prêt, le tissu est prêt, il n'y a plus qu'à le découper et à coudre. C'est presque la meilleure partie quand même, non? Vous ne pensez pas? Écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye!